aller attraper cette masse un peu en arête. Ouais. Soit c'est sur l'arête elle-même, ouais, soit un peu à gauche. On va pouvoir pencher. Parti François. Belle vue plongeante. Ah, tu me montres comment faire pour l'autobloquant là. Ça va, l'aval. Mais c'est tout, ça bloque tout seul. Ouais. Non, mais comment le faire Ah oui. Oh, c'est ça. Faut des années. Ouais, je vois. J'ai compris ça. Allez François, un petit sourire, montre ta jolie bouche. Allez, il a quand même le sourire. Voilà. Il s'est battu. Il s'est battu avec un an. Bouge, je filme. Mais ça va. C'est magnifique ce dièdre. Bon. Alors ouais, c'est du bon 5 Karoux. Enfin, il s'est coté 5A. Maintenant, c'est ça le 5. Avant, ouais, là, ça passe bien. C'est plus accessible que le départ, hein, Stéphane. Avant, ça aurait été... Il faut vraiment réfléchir. Faut pas forcément suivre la corde. Tu vas là où tu vois des prises pas moussues, où ça a l'air bon. En fait, tu vas à gauche pour revenir sur l'arête. Tu vas complètement à gauche, tu reviens. Là, tu es tout en traversée, là, ok? D'accord.
seul truc qui m'a dépité, c'est que j'ai bien mis les topo le relais là, et il y a bien ça, et il y a ton point. Hop. Il a mis les prises. Ah, c'est super, ben, franchement. Ouais, mais... Je suis venu là, mais ça aurait été mieux. Alors, bon, mais c'est pas normalement, c'est pas ça. Bien la traversée qu'on a faite là. On voit les chaînes et la corde jaune. C'est joli.